Dans un instant, nous recevons le reporter Martin Boudot. On parle de cette nouvelle série documentaire Planet Killers qui démarre ce soir sur France 5. Mais d'abord, c'est l'heure de notre killer à nous avec les télescopages de Bruno Donnet. Salut Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les comportements médiatiques. Et ce matin, vous vous interrogez sur l'espace qui est accordé aux plus âgés à la télévision. Oui, car en plein débat sur la réforme des retraites, Philippe, au moment où on s'interroge partout sur les plateaux, sur le bon âge pour cesser de travailler, je me suis posé une question. Où sont les vieux à la télévision? Quel est l'espace qui leur est accordé et quelle représentation la télé nous offre-t-elle des plus âgés? Alors, j'ai bien cherché et la réponse est claire. Il y a très peu d'espace dévolu aux plus de 64 ans à la télévision. Et pourtant, le paradoxe est saisissant, ce sont eux, très majoritairement, qui la regardent le plus. Côté présentateur et journaliste, on peut bien sûr citer Michel Drucker ou Pierre Lescure, qui vient tout juste de succéder à Claire Chazal, William Lémergie et Alain Duhamel, mais on est bien embêté pour en trouver des hordes. Et s'agissant maintenant de la manière dont on les représente, dont on montre les plus vieux d'entre nous, eh bien, j'ai été très intéressé par une séquence, un reportage repéré hier matin sur BFM TV. Il était question de la situation sociale au Danemark. Le Danemark, on part à la retraite là-bas à 67 ans, ça pourrait même aller jusqu'à 70 ans d'ici 2040. Et la chaîne avait choisi de faire le portrait d'une femme, Gunn-Britt Zeller, une coiffeuse qui, à plus de 70 ans, est encore en activité. À 72 ans, Gunn-Britt travaille toujours du mardi au samedi et sans rechigner sur les horaires. Seulement voilà, cette femme âgée est totalement exceptionnelle. Elle est en pleine forme, hyper sportive et d'une beauté renversante. La coiffeuse est même citée en modèle dans la presse féminine. Eh oui, sa longue chevelure argentée, son sourire hollywoodien et ses gambettes de jeune première s'affichent en une de la presse magazine du pays. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que nous dit ce choix? Eh bien, elle raconte que lorsqu'il s'agit des vieux aussi, la télévision entretient une passion pour les exceptions. Et c'est d'ailleurs en découvrant cette femme de 72 ans que j'ai réalisé que le corps des plus âgés n'est quasiment jamais montré, jamais représenté à la télé. C'est un tabou. Un truc que la télévision cache pudiquement alors qu'elle passe son temps à montrer très allègrement des corps jeunes et volontiers dénudés. Toutefois, Philippe, dans cet océan cathodique qui ostracise le corps des vieux, un endroit fait figure d'exception. Groland, le pays où il fait bon rire. Groland, l'émission de Canal+, qui est, à ma connaissance, l'unique espace médiatique où les corps burinés et les visages ridés ont encore droit de cité. Ce samedi, par exemple, j'y ai vu un homme très largement septuagénaire, bien en chair et presque tout nu, tourné sur le podium qui accueille d'ordinaire les jeunes playmates graciles de la chaîne. Il nous montrait gaiement son ventre rebondi et de dodues fesses roses. Eh oui, car dans Groland, on traite non seulement du corps, mais également de la sexualité des vieux. Est-ce que vous pourriez me passer un préservatif? J'ai fait une touch avec une fille au cœur du cœur, si vous voyez ce que je veux dire. On y montre tout, tous les physiques, tous les âges, sans filtre et sans ironie. C'est la fête! C'est la fête! Curieux tout de même de constater, Philippe, qu'à l'heure où on débat si copieusement du travail des plus vieux, la télé nous les montre si peu et les cantonne à une si minuscule présipotée. Allez, salut! Et Zapoy! Et Zapoy, Bruno Donnet.